Un obus de tank probablement est passé par cette fenêtre, a traversé le Wedding Hall et est sorti par cet endroit. Je suis Léo Kans, chef de mission en Palestine, en ce moment à Rafah. Ce hall de mariage était utilisé par les staff MSF et leurs familles pour se réfugier. Il était notifié à l'armée israélienne par MSF pour dire que c'était une place avec seulement des civils qui recherchaient la sécurité. Lundi, un obus de tank probablement est passé par cette fenêtre, a traversé le Wedding Hall et est sorti par cet endroit. Juste ici se trouvait une petite fille qui s'appelait Malak, qui a été gravement blessée, qui a été emmenée à l'hôpital European Hospital, qui était l'hôpital le plus proche, mais qui est tragiquement morte des suites de sa blessure le lendemain. L'obus du tank portait des inscriptions en hébreu. Et comme je disais, n'a pas explosé, sinon ça aurait été un sacrifice. Cela montre qu'à Gaza, on ne peut être en sécurité à aucun endroit.